L'international camerounais de football Michael Ngadegadui fait parler de lui ces derniers jours, non pas pour ses performances sur le terrain, mais pour une vidéo devenue virale où il dévoile une partie de ses investissements. La vidéo met en lumière sa femme, un des piliers de ses initiatives entrepreneuriales, témoignant de sa vision pour l'avenir et de sa préparation active pour la vie après le football. Une stratégie rare, mais nécessaire, dans un univers où de nombreux sportifs peinent à gérer la transition après leur carrière professionnelle, l'exemple de Michael Ngadegadui est inspirant. En investissant dans des secteurs comme l'agriculture, il montre une voie souvent négligée par les footballeurs africains. Ces derniers sont souvent confrontés à des situations financières précaires une fois les projecteurs éteint faute d'une gestion préventive et de choix avisés durant leur carrière. Cette initiative proactive contraste fortement avec les difficultés rencontrées par d'autres anciens sportifs, à l'instar de Bernard Tchouton, l'ancien lion indomptable, aujourd'hui pas en très bonne santé financière, est parfois contraint de prendre des positions controversées ou de louer certains dirigeants sportifs au prix même de son objectivité. Vous vous rendez compte enfin? Et vous constatez que la seule et unique personne au Cameroun qui fait la météo sportive, c'est M. Samuel Eto'o, président de la Fédération Camerounaise de football. Vous vous rendez compte, la seule et unique personne qui peut prendre votre main et vous secourir, c'est M. Samuel Eto'o, cette même personne à qui vous manquez de respect. Conclusion, le parcours de Michael Ngadegadui est une leçon précieuse dans un monde où les récits de difficultés post-carrière sont nombreux. Il rappelle qu'une carrière sportive, bien qu'éphémère, peut être le socle d'une vie stable et prospère si elle est gérée avec vision et anticipation. Restez connectés sur Info du Continent.